installée au Mai depuis 1997. On fait de l'équitation déjà pour pas mal de public, mais avec la promenade en calèche dans les Oliviers pour tous, ça permettait aux personnes qui ne sont pas cavaliers et aux familles entières, aux personnes plus âgées qui ne montent pas à cheval, de pouvoir découvrir les chemins dans les Oliviers autour du centre équestre et aussi aux personnes handicapées. Le centre équestre à Fenières s'intègre dans un environnement tout à fait exceptionnel sur la commune, mais aussi dans son milieu agricole. Et surtout oléicole, puisque la commune d'Aimé est la commune de PACA qui compte le plus grand nombre d'oliviers sur son territoire, 100 000 oliviers. Et donc évidemment le centre d'Avenir s'intègre parfaitement dans ce milieu environnemental, économique et touristique. Il y a 3 ans et demi maintenant, nous avons eu pour projet de proposer des promenades dans les oliviers pour tous, pour que toutes les personnes non cavalières voulant accompagner leurs enfants ou leurs petits-enfants puissent le faire, et aussi toutes les personnes à mobilité réduite. J'ai fait de la calèche déjà, mais il y a un petit moment et j'étais plus jeune. J'en ai fait 11 ans du cheval et ça me manque beaucoup. Le programme Leader nous a accompagnés en participant au financement de la calèche. C'est les rampes d'accès, c'est la calèche aux normes avec tous les crochets pour accrocher les ceintures de sécurité. On a fait un partenariat avec le moulin Salvatore. Les propriétaires sont monsieur et madame Pinatel, qui produisent de l'huile d'olive depuis très longtemps sur les mets. Il faut à chaque fois, pour accompagner ces promenades-là, être 2 diplômés. Donc effectivement, on ne peut pas le faire au coup par coup comme ça quand les gens arrivent. Donc on fait des réservations à l'avance. Le programme Leader nous a permis de payer la formation des meneurs du centre équestre, parce qu'effectivement, pour conduire un attelage, il faut être formé et avoir le diplôme de meneur.